Les officiers de la MAA étaient réunis à la Custom House de Mer Rouge dans le but d'échanger des informations qui pourraient contribuer à la protection de la société contre la criminalité transnationale et ainsi empêcher l'entrée des produits illicites dans le pays. La douane par travail sans connaissance d'informations parce qu'il y a pour milliers et milliers de conteneurs qui passaient, pour milliers et milliers de passagers qui venaient. Il y a un système de gestion des risques qui s'est fait et donc ça pour quand même banal car amène notre bloc dans la gestion des risques là, ce qui nous fait qu'à la Organisation mondiale des douanes, nous mettons en place une plateforme électronique. On appelle ça Customs Enforcement Network. Et tout ce qui est arrivé dans un pays, dans un douanier, la douane, donc je mets des informations là-dedans, je file d'informations, et comme ça nous finissons connaître entier le monde, qui peut arriver, et qui est modus operandi, qui est contrebandier une servie. Et donc nous venons plus, nous, comme ça nous sommes capables d'une façon nous améliorer nous intelligence, nos renseignements. Le directeur du Regional Intelligence Liaison Office, East and Southern Africa Region, soutient que cette rencontre a été très enrichissante et a permis d'élaborer les meilleures stratégies pouvant résoudre cet épineux problème. Our theme this year is revenue immobilization. Le thème cette année est « Accroître nos revenus et éliminer les lacunes à travers un échange d'informations efficace ». On trouve que de nos jours, de nombreuses lacunes existent et si nous partageons les informations entre les pays membres, nous pourrons combler les lacunes et par conséquent augmenter les revenus. Nous avons besoin de l'apport des États membres, surtout en termes de suggestions. Ainsi, nous pourrons mieux analyser et identifier les activités illégales. Selon la MRA, la coopération étroite entre les autorités douanières est la clé de la lutte contre la criminalité transfrontalière et permettra aussi à terme de faciliter le commerce mondial.